Des produits frais pour de la street food, en français, de la cuisine rapide et simple que l'on mange debout dans la rue. C'est ma carotte, si tu goûtes. Tu coupes la tomate cerise. Vous goûtez ? C'est souvent le premier contact de ces jeunes avec la cuisine et l'univers des professionnels. C'est pas forcément une cuisine compliquée, gastronomique, mais on arrive à faire des choses assez sympathiques que les jeunes peuvent reproduire à la maison, tout simplement. Avec leur famille, pour vraiment pas grand-chose. Une bonne entrée en matière qui, grâce au gastronomate, va pouvoir ravir les passants. Ils sont délicieux, c'est bien. Hein. Des bagels garnis de crudités, un compromis culinaire entre plusieurs générations. Ça mélange deux types de cuisine, celle des jeunes et celle un peu plus... Voilà. Dans l'atelier cuisine de rue mis en place par les 4 MJC d'Angoulême, il y a aussi l'idée de faire découvrir d'autres horizons culinaires que les fast-food locaux. Dans des petites verrines, on a mis une sauce tartare avec plusieurs carottes et les pousses de betterave. Pour les professionnels, c'est aussi une première approche du métier de cuisinier. Outre le côté médiatique de certaines émissions, on a vraiment une pénurie de jeunes qui s'intéressent vraiment à la cuisine, ce qu'est la vraie cuisine. Donc pour nous, c'est déjà un premier public et ça permet de présenter notre métier. Et puis après, le reste, c'est que du bonheur, c'est du partage, c'est de la transmission. Un atelier qui, depuis 3 ans, aurait déjà suscité des vocations auprès des jeunes qui le fréquentent.